Il TV et toi le montant de meilleure chaîne de la diaspora congolaise. ZK, le Bestegui. S'il vous plaît. La famille et les amis pensent qu'il est nécessaire pour eux de vous passer une annonce, une information pour la suite. Parce que nous savons que l'heure est avancée, certaines personnes vont pouvoir peut-être partir et pour ne pas être en marge du programme qui est retenu pour les obsèques de notre regretté frère, frère, oncle, parent, grand frère ou petit frère. Alors, elle tient à vous donner cette information de façon à ce que nous puissions suivre chronologiquement le déroulé de ces obsèques. Alors, nous savons qu'il est le corps n'est pas ici, le corps se trouve présentement à Rouen. Et donc, en date du mercredi 14 juin 2023, la mise en bière se fera à partir de 9h30. Cette information concerne toutes les personnes qui voudront faire le déplacement de Saint-Étienne-du-Rouvray pour voir pour une dernière fois notre frère, ma gloire, et plutôt gloire, Mavungumbemba Ibarra. Ceux qui voudront le voir pour la dernière fois peuvent faire le déplacement le mercredi
14 juin 2023. Une délégation partira d'ici tôt le matin. Certains seront là-bas la veille déjà le mardi. Et donc à 9h30 se fera la mise en bière. Présentation au salon à 9h35. Lève du corps à 10h05 et départ du défunt pour la région parisienne à 10h10. Vous voyez, tout est chronométré pour ne pas arriver très tard. Il vous est donc demandé, pour ceux qui voudront faire le déplacement, d'aller très tôt le matin, sinon la veille, pour voir pour une dernière fois le corps de notre frère. Alors, après, nous allons nous retrouver le jeudi. Et donc le jeudi, tout va se dérouler aussi de façon ordonnée. La présentation du corps se fera à Givisi à partir de 10h. Notez bien, à partir de 10h, à la chambre mortuaire de Givisi, nous pourrons, ou encore ceux qui ne se sont pas déplacés la veille, pourront aller voir le corps de notre frère de 10h à 12h. On dit bien de 10h à 12h. Il n'y aura pas une prolongation 12h15 ou 12h30, non. Parce que tout de suite après, le service de pompe funèbre devront s'organiser pour nous ramener le corps à l'église à partir de 14h30. L'église Saint-Merry à Linas nous accueillera à partir de 14h30 pour l'oraison funèbre. Il y aura une messe qui sera dite et très, très rapidement à 15h35, donc nous n'aurons à peine qu'une heure, s'il faut le dire, peut-être 45 minutes de messe. Nous allons nous orienter à 15h35 pour l'inhumation de notre frère au cimetière de Linas. Cette information concerne donc toutes les personnes qui voudront déjà, dès le mercredi, faire le déplacement pour Saint-Étienne-du-Rouvray, donc dans la région de Rouen, mercredi, très tôt le matin, dès 9h, nous devons nous retrouver à la chambre mortière à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et pour le jeudi, ceux qui n'auront pas fait le déplacement le mercredi, nous nous retrouverons le jeudi dès 10h à la chambre mortuaire de Givisi. Merci à vous et que le Seigneur ait l'âme de notre frère. Et voilà, donc l'information complémentaire, c'est qu'après l'inhumation de notre frère, nous nous retrouverons ici même pour une collation. Merci à vous.
Let's go.
Yeah, yeah, but I'm a chukiwa, 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 but I'm a ch
I'm
une personne qui a fait tomber l'enveloppe. D'autant, je pense que carte d'invitation. La personne vient les chercher, respectez s'il vous plaît, merci.
papier. Chasing,
Ok, merci. Ok.